très très attendu, la réédition des bloc-notes de Mauriac qu'on trouvait encore il y a quelques années en point, mais c'était complètement épuisé. Et bien sûr, c'est l'excellente collection bouquins qui a l'idée et qui mène le projet en deux volumes, avec index, présentation, tout ça est excellent. Et donc, je rappelle que Mauriac a tenu ce bloc-notes pour l'Express entre 1952 et quasiment sa mort en 1970. Nous célébrons d'ailleurs ces jours-ci les 50 ans de la mort de François Mauriac. Alors c'est un régal d'écriture, de chronique, de curiosité de son temps. Mauriac a peut avoir la dent dure et il décrit magnifiquement, mais il est toujours aussi ce nostalgique de son enfance, de Bordeaux. Enfin, il y a un charme et une puissance d'écriture Mauriac que l'on retrouve dans ses bloc-notes, que je vous invite vraiment à découvrir ou à redécouvrir. C'est donc en deux volumes chez Bouquin Lafont.